Je m'appelle Eric, j'ai 56 ans. Depuis longtemps, je ressens des intuitions, j'ai des intuitions, je communique un peu avec des choses. Et j'avais besoin d'un outil, j'avais besoin de trouver un outil, d'apprendre un outil pour apprendre peut-être à être plus proche des autres. Et en fait, dans cette quête, j'ai découvert quelque chose qui m'a apporté de la distance, qui m'a permis de, je sais pas, qui m'a permis d'être beaucoup plus clair, qui m'a libéré d'un poids, qui m'a permis d'être peut-être d'avoir plus d'écoute peut-être pour les autres. Voilà ce que j'ai appris ici sur 3 jours. Je suis à Lorient. Moi, j'ai l'avantage, c'est que je suis ici. Donc, l'ami Véline, ce stage se trouve à Lorient. Voilà. Bonjour Nelly. Bonjour ami Véline. Tu viens de finir un stage? Oui, très passionnant. Tu peux nous en dire 2 ou 3 mots? Alors, ce stage a été pour moi une grande découverte. Une grande découverte du Béline et de l'ami Béline. J'ai appris beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, énormément d'émotions. Je retiens de ce stage des contacts, des échanges super importants. C'était super comme stage. Je le recommande à tout le monde parce qu'il est super. Alors bonjour, je m'appelle Marianne, je viens du sud de la France, de Valbonne, et je suis venue faire le stage de l'ami Béline. Un stage surprenant et puis très intéressant. Et... Marie-Line, je suis à Lorient, chez l'ami Béline, je viens de Cannes. Je suis très 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 heureuse d'avoir participé à ce stage intensif. Qui est très intensif du reste, mais qui se passe très 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 bien parce qu'on fait de belles rencontres, il y a un bel échange et voilà, c'est très très enrichissant. Au-delà de la fatigue, c'est très enrichissant et je regrette pas du tout d'être venue. Tu t'attendais à son contenu? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Comme j'ai dit, j'ai été bluffée. Surpris, agréablement surpris. C'est beaucoup d'émotions, énormément d'émotions. J'ai reçu le Béline, moi ça m'a appelé un jour. Un jour, il y a une tradition dans la famille, hein, moi je ne l'ai jamais utilisé. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, chez moi j'ai reçu un appel. Un appel et on m'a envoyé les cartes comme ça. Et j'ai découvert un jour sur Facebook en fait, hein, j'ai vu apparaître l'ami Béline. Et du coup, je me suis dit tiens, un outil pour moi peut-être pour aller voir ce qu'il en est. C'est super bien. Et vraiment, on apprend énormément de choses avec Ami Béline. Quoi dire d'autre? On a une autre perspective de cet oracle. Vraiment. C'est, on se demande même si c'est possible. Tellement que c'est très 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 profond. Donc, ouais, on reçoit beaucoup d'informations, pas toujours facile à intégrer, mais on a des nuits un petit peu courtes, mais ça nous permet de bien poser les choses, en fait. Parce qu'au-delà des écrits, oui, on prend des notes et tout ça, mais c'est vrai que même si les nuits sont courtes, on s'aperçoit que le lendemain matin, malgré la fatigue, tout ce qu'on a accumulé dans une journée, ça nous parle. Et c'est super, on se dit waouh, qu'est-ce que j'ai bien fait de venir. Et là j'ai vu, j'ai trouvé que ce que tu lui offrais, j'ai trouvé que ce que tu offrais, c'était très différent des livres que j'avais parcourus un peu comme ça, pour voir ce que... Et je me suis dit tiens, un regard différent qui est plus large, avec une dimension je dirais psychologique qui je trouve qui est essentielle parce que ça nous permet d'allonger le regard et du coup ça nous permet plus facilement de poser les choses pour aider les autres. Sans ce regard là, bon, c'est un très bel outil, il n'y a pas de doute, il faut avoir beaucoup bossé, mais avec la dimension psychologique,
je trouve que quand même on gagne quand même. Hein. Et ici, voilà ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé cette dimension. C'est ça, hein. Donc ça crée une ouverture, quelque chose de très proche des autres. Voilà ce que j'ai. Voilà ce que je dirais. C'est qu'il y a une proximité. Il y a une vraie relation. Une vraie relation. Un véritable savoir. Voilà, il y a un véritable enseignement. On a un bon enseignement, en tout cas. J'étais surprise parce qu'en fait, ça mélange, en fait, c'est pas juste une question ésotérique, c'est une question. Il y a beaucoup d'histoires. Et ça renvoie à des choses que souvent, dans une vie quotidienne, on oublie. Et que finalement, qui donne du sens par rapport à. Entre le fond et la forme. Et puis. Et puis là, on sort d'une expérience très, très, très incroyable. Parce que sincèrement, je m'étais toujours dit, ça, j'y arriverai jamais. Alors, première expérience, très difficile. Deuxième expérience, un peu mieux, mais pas top. La troisième et la quatrième, waouh, qu'est-ce que ça parle. Et rien que pour ça, je suis très heureuse d'être là. Alors, et qu'est-ce qui t'a le plus impressionné ou marqué durant le stage? Ce que j'ai découvert de moi. Ah ouais? Ce qui était caché au fond de moi, que je ne connaissais pas du tout. Donc une porte s'est ouverte? Ouais. Et c'est quoi? Des capacités que j'avais en moi et que je ne connaissais pas du tout. Ah super, tu vas les utiliser alors? Ah bah oui, tout à fait, tout à fait. Entretenir, développer, si, tout à fait. Un truc que tu n'as pas bien aimé, ce serait quoi? Qu'il faudrait peut-être changer, améliorer ou évoluer? Alors là, je ne sais pas, j'ai rien trouvé. Bon, t'es gentil, hein? Non, mais franchement, j'ai rien trouvé, tout est parfait. Dis-moi, oui. Toi qui as l'habitude de faire un peu ce travail, tu es déjà tarologue, tu as déjà travaillé le Bélin, tu as déjà fait plusieurs formations, tu as noté une différence fondamentale entre les autres formations et celles que tu as ici? Je veux pas être... j'ai envie de dire que jusqu'à présent, l'oracle de Bélin... Bon, j'étais dégrossie, si on peut dire ça comme ça, c'est pas bien de parler comme ça, mais on va dire que j'avais une petite notion, je peux dire maintenant j'avais une petite notion, parce que là, ce que j'ai appris avec Ami Bélin, c'est waouh, c'est... J'ai presque envie de dire que c'est surnaturel. Ça va loin, hein, ce que je dis, mais c'est surnaturel. Et c'était de la gnognotte, c'était du pipi de chat. Voilà, je le dis comme je le pense, c'était rien par rapport à ce que j'ai appris en 3 jours seulement. Bon alors attention, hein, j'ai encore du chemin à faire. Hein, parce que j'en... Je sais que ça repose sur une valeur sûre, voilà. Je sais que ça repose, il y a une vraie quête derrière. C'est pas juste je prends des cartes, un jeu, je tire un oracle, j'appelle l'oracle. Non, là il y a vraiment quelque chose de sûr derrière. Voilà, il y a une valeur. Alors, qui plus est, c'est une valeur qui repose sur un enseignement qui date de longue date, hein, qui date, vous voyez, qui est très, très ancien. Et du coup, ça donne... c'est très rassurant, c'est très rassurant. Ça permet de... ça permet d'envisager les choses sereinement. Voilà, ce qui apporte un vrai détachement en fin de compte, hein. C'est ce qui permet de se détacher, parce qu'il y a ces valeurs sûres derrière. On n'est plus obligé de quêter mentalement les choses, puisque de toute façon on est héritier d'une tradition, une tradition qui est inscrite et qui a une dimension, c'est incommensurable tellement que le créateur de l'oracle apparemment y a mis une... d'être un être remarquable parce qu'il y a mis une dimension psychologique, dans toutes les dimensions, voilà, mythologique, psychologique, c'est très très intéressant, moi, voilà. Ce que je pourrais dire du Bélin. Quel est ton plus beau souvenir de ces 3 jours? Ben,
des moments de partage et de rire. Ah, on rit au stage Béline, oui. Maintenant. Ah bon? Oui. Il paraît qu'on a beaucoup ri dans ce stage, c'est vrai. On a beaucoup ri. Alors, tu repars un peu plus riche ou pas? Oui. C'est un outil que tu vas utiliser? Ah oui, 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 oui. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça va être, je vais dire, un peu plus difficile de se retrouver seul pour le travailler, parce que là, on est guidé, on est aidé. Mais je pense qu'on a établi une relation et que ça va continuer après ce stage. Surtout qu'on est super bien accueillis par Ami Béline. Ça, c'est, je ne pensais même pas que c'était possible d'ailleurs. Mais ça aussi, il faut le dire, parce qu'il a le cœur plus que, voilà, ici. C'est formidable d'ailleurs, je suis très très touchée. Et j'ai hâte de faire le stage intensif numéro 2. Mais j'espère que ça, peut-être dans le sud. Voilà, sait-on jamais. L'espoir fait vivre, mais je ne perds pas espoir. Voilà. T'as aimé le stage alors? Ben plutôt, j'ai aimé la rencontre, j'ai aimé la rencontre avec Patrick, parce que ben écoute, c'est, je trouve qu'il y a quelque chose de très très humain chez lui, ben déjà, et puis oui, voilà, j'aime ça, et puis le petit groupe auquel on était, ben c'est plutôt sympa, on était un petit groupe restreint, donc avec Clochette qui nous accompagne, c'est très agréable, voilà, puis voilà, on y est bien reçus, oui, j'aime les dialogues qu'il y a, j'aime le partage, voilà, le partage. Il y a un échange, c'est pas que de la technique, il y a de l'humain derrière, c'est ça que j'aime fondamentalement. Ça circule, hein. Ça circule, c'est pas que dans un sens, voilà. Souvent, quand on est dans les formations, on nous balance de trucs, et puis voilà, là, ça tourne. Ouais, ça tourne. La porte est ouverte dans les deux côtés. Oui. Possibilité en tout cas, on sent bien. Bon, bah, tu vas revenir alors? Oui, j'attends la date du deuxième stage. Ah oui? Oui, parce que je veux aller au-delà. Ah oui? Parce que je sais que mon chemin est au-delà. Ah oui, pourquoi tu as envie de faire le deuxième stage? Qu'est-ce qui t'appelle à le faire? Le ciel. Le ciel? T'as découvert le ciel alors? Ouais. Oh, c'est fantastique. Grand bien, alors il dit ça d'un air sirupeux. Enfin, moi, je te dis merci d'être venu, merci de ta confiance. Et puis voilà, c'était un stage où j'ai passé un bon moment avec vous tous, vous toutes. Hein. Et puis, je te dis à bientôt alors. Et oui, à bientôt. Bon, allez, bah, je t'embrasse et prends soin de toi. Moi aussi. D'interrogations, mais ça c'est normal, mais j'ai encore beaucoup de travail à accomplir et je pense que je vais apprendre toute ma vie. Voilà, en fait c'est ça, je vais apprendre toute ma vie. Et bah, rien que pour ça, c'est, je suis contente d'avoir fait ce stage et d'être là. Et de... voilà. En tous les cas, moi je te remercie de ta venue, merci à toi. De ta confiance. Et puis de cette rencontre, bien évidemment, on a bien rigolé quand même. Ah oui. En plus, ouais, oui. J'ai oublié de le dire ça, mais tellement, tellement que j'en pleurais de rire quand même. Alors ça, c'est bien. Oui, ouais. Alors, on est en apprentissage, c'est un apprentissage très sérieux, ouais. Très intensif, sans se prendre au sérieux. Voilà, en mettant, et ça, c'est bien. On apprend comme ça, de manière un peu détendue, c'est même génial. Si c'est puissant. Oui, voilà. Alors, oui, très puissant. Ah oui. En tous les cas, encore une fois, un grand merci. Merci et puis, à toi. Je te dis à bientôt. Hein, et puis, bon, bah, je descendrai sûrement dans la région du Sud faire un numéro 2 parce qu'il y a d'autres gens là-bas qui voudraient que je fasse le 2 aussi. Comme ça, vous compléterez. Ah oui, super. Moi, j'ai hâte. À bientôt alors. Avec plaisir. En tous les cas, moi, je te remercie. De ta venue et merci de merci ta confiance. Merci à toi, Patrick. Merci à toi. Et puis j'espère qu'on se revoit bientôt. Avec plaisir. Pour le stage numéro 2. Ouais. Merci. Et t'es tenté pour faire un prochain stage? Oui, tout à fait. C'est le numéro 2 alors? Oui, tout à fait. Et ben alors, je suis ravi de ta venue.
Et puis, merci de ta confiance. Et puis, j'espère te voir alors bientôt. Alors. Oh oui, certainement. Très certainement. Merci à toi pour tout ce que tu nous as apporté à moi et aux personnes qui étaient avec moi. Bon, bah merci. À bientôt alors. À bientôt. Oui. Compiuta. Tokyo は20時です。すでに進行中です。